Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de mes livres chouchous de cuisine, vegan et sans gluten. Donc j'ai ma petite pile qui est là. Je trouve que je suis quand même assez raisonnable niveau livres, parce que il y a certaines blogueuses ou certaines youtubeuses qui ont des piles plus importantes que moi. J'ai une petite pile de livres, voilà. Donc je vais vous présenter, là je les ai tous pris, donc j'en ai pas non plus des masses, hein. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, j'en ai 10, ça reste quand même, je pense, raisonnable. Dans les 10, je crois qu'il y en a un seul, il y en a deux qui ne sont pas sans gluten mais qui ne sont pas vegan, que j'avais eu avant d'être vegan. Que 4 pour cette fois-ci, parce que de toute façon c'est mes 4 favoris. C'est les 4 que j'utilise le plus et que je regarde le plus, et voilà. C'est par mon coup de cœur, pour tout vous dire, c'est le premier livre que j'ai acheté quand j'ai commencé à manger, à ne plus manger de viande, d'œufs, de miel. Enfin, de miel je n'ai jamais mangé de toute façon, pas de fromage non plus, je mangeais quasiment pas de fromage. J'aime pas le fromage de base, donc comme ça c'était plus facile. Donc ça c'est le premier livre que j'ai acheté quand j'avais été faire mes courses à Carrefour dans mon supermarché, et je l'avais pris parce que en plus d'être vegan, il est sans gluten et sans lait, et ça pour les enfants c'est super. Donc du coup c'est le Green Glam and Gourmand de Rebecca Leffler, j'espère que je n'écorche pas le nom. Ce livre est franchement super, les pages sont... J'adore la typographie, j'adore les couleurs, les recettes sont franchement bien. Il y a des petites aides entre guillemets au début. Le livre en fait est scindé en plusieurs parties. Il y a un avant-propos, le placard avec des astuces, les aliments indispensables à l'alimentation végane, des préparations de base. Après on a une petite section good morning avec des astuces yoga, comment faire pour bien se réveiller, apprivoiser son réveil, les détox du matin, les jus green et les smoothies. Après il y a des petites recettes de déjeuner, et après en fait c'est décomposé en 4 parties, les 4 saisons, donc automne, printemps, enfin automne, été, printemps, hiver, avec des petites astuces yoga et après des recettes, et les photos sont à couper le souffle, elles sont vraiment super belles. Après j'avoue qu'il y a certaines recettes pour les enfants, ouais, c'est vraiment plus un livre basé pour les adultes, pas spécialement cuisine pour les enfants, donc je vous fais voir, hein. Je vous mettrai des inserts après de toute façon, mais ouais, les pages sont super, il y a des recettes qui sont super bien, moi j'adore ce livre quoi, j'adore ce livre, voilà, donc ça c'est ce que je vous disais. Vous avez des trucs de yoga, le livre est super super bien et je prends toujours un plaisir à le feuilleter. J'adore le feuilleter pour chercher les petites idées ou pour m'en inspirer, ce livre je l'adore. Je crois d'ailleurs qu'elle a sorti un autre livre il y a un petit moment déjà maintenant. Je pense que je vais me pencher sur le sujet. Après je vais vous présenter un second livre qui est assez connu dans le milieu vegan. C'est Vegan de Marie Laforêt. Ce livre c'est le Papa Noël qui me l'a amené, pas pour ce Noël ici mais le Noël dernier. Et pareil je l'adore, c'est la Bible. Si vous voulez débuter dans le véganisme, que vous ne savez pas par où commencer, que vous ne savez pas quoi faire comme recette, que vous voulez investir dans un seul livre ou que vous ne pouvez investir que dans un seul livre, malgré le fait qu'il soit quand même assez onéreux parce qu'il coûte 30 euros, l'autre de Rebecca il coûte dans les 16 euros je crois de mémoire. Oui c'est à 17 euros. Mais celui-ci donc il est un petit peu moins cher que 30 euros, il est super 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 bien. Il y a plein de recettes, par contre il est pas vegan, il est pas sans gluten. Donc au moins il y a certaines recettes que j'essaie d'adapter pour les enfants. Devenir vegan, qu'est-ce que la cuisine vegan, zoom sur les produits vegan, il y a plein de petits conseils. Après c'est découvrir les protéines végétales, remplacer les produits laitiers et les œufs, cuisiner les légumes. Il y a beaucoup de recettes qui sont super bien d'ailleurs pour les enfants. Recettes gourmandes et cuisiner pour toutes les occasions. Et là justement on peut les dîner entre amis, les apéros dînatoires, recevoir la famille. Et il y a des recettes qui sont franchement top. Moi à la maison on a adopté par exemple
son gratin de... Je ne sais plus où il est vers la fin, je crois. C'est un gratin de pâte à la tomate avec des... de la courgette râpée avec des tomates, du maïs et du tofu fumé. Les enfants adorent ce plat. C'est parfait, ça leur permet de manger des légumes sans vraiment s'en rendre compte parce qu'il y a les pâtes. C'est facile à faire, on peut le préparer d'avance. J'adore ce plat, c'est... Ouais, franchement, ce livre, c'est pareil, je l'adore. Je pense que je le mettrai juste en dessous de celui de Rebecca parce qu'il n'est pas sans gluten. C'est le seul bémol parce que du coup il y a plein de recettes avec du seitan, du seitan, je sais pas comment ça se dit. Je n'ai pas pu les tester parce que y a du gluten dedans et moi mes deux petits loulous ils sont intolérants au gluten, donc je vais pas les rendre malades pour tester ces recettes là. Donc il y a certaines recettes que je ne pourrai jamais tester, tant pis, c'est comme ça, c'est la vie. Ensuite, le troisième livre, c'est Vegan d'Audrey Cosson. Je l'adore aussi ce livre. Alors celui-ci, c'est mon petit mari qui me l'avait offert, parce que j'ai un mari adorable, qui pense à sa petite femme, et donc du coup il me l'avait offert, je sais plus pourquoi, comme ça, juste pour le plaisir. Il l'avait vu, il avait dit, oh tiens, ça devrait faire plaisir à Julia, je vais lui prendre. Donc c'est les petits basiques mango, il coûte 8,95€, et c'est pareil, alors là les... J'adore la typologie, j'adore les photos, on a une introduction aussi avec les laits, les sucres, les purées d'oléagineux, les graines. Et après c'est pareil, on a plein de recettes, on a des recettes de petit déjeuner, on a des jus, on a des chips, on a des nouilles, c'est super, des salades de boulgour, des dalles. Des croquettes, il y a vraiment beaucoup 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 de choses. Après pareil, le petit bémol aussi pour celui-là, c'est pas sans gluten. Donc moi j'adapte, mais du coup j'arrive à m'en inspirer, ça donne de bonnes idées. Voilà, il est bien, c'est un petit livre d'appoint qui est bien, qui donne des petites idées. Je l'aime beaucoup, franchement je l'aime beaucoup. Et ma recette préférée dedans, c'est une recette de gâteau au chocolat. Si je la retrouve, je vous la fais voir. Elle est où cette petite recette? La coquine, elle se cache la coquine. Je crois que de mémoire, c'est avec de la betterave et ce gâteau. Il est super, super, super bon. Et il est là. Voilà, c'est un brownie moelleux au chocolat betterave. Ce gâteau, c'est une tuerie. Il est divin. Bien sûr, moi, après, je l'ai adapté sans gluten. Hein, mais il est super, super, super bon. Et le dernier petit livre, d'ailleurs je crois que c'est le dernier que j'ai acheté, enfin que je me suis offert à moi-même, parce que j'aime bien m'offrir à moi-même des livres, j'adore les livres, surtout les livres de cuisine. Donc ça c'est un tout petit livre, c'est Smoothie de Irina Pavarsa, je ne sais pas comment ça se dit. C'est un tout petit livre qui coûte 5,95€ sur les smoothies, et mon dieu qu'est-ce qu'il est bien ce livre. Je m'arrête deux secondes, j'ai d'un côté Jules qui est en train de s'exciter sur le lit parce que derrière moi j'ai les deux chats qui sont en train de faire les marioles. Donc si vous entendez du bruit, c'est juste mes chats et mon chien. Voilà, fin de la parenthèse. Ce livre il est super, il y a une préface avec les principes de base, donc du tonus en 10 minutes, prêt en un tour de main, nous sommes ce que nous mangeons, santé et énergie vitale et équipement. Après, règles de base, en bref, légumes, fruits, herbes, liquides. Pour la famille des ingrédients, édulcorants, épices, fruits à coque et graines, avec une petite astuce. Et après, on a les super aliments avec le cacao, la cardamone, le gingembre, les graines de chia, les graines de chia. J'adore les graines de chia, je suis en amour devant les graines de chia. La poudre d'açaï et la poudre de maca. Ensuite, poudre et graines de chanvre, spiruline. Et la stevia. Et après, on attaque avec les recettes. Alors les recettes, elles sont axées un petit peu par saison. Donc on en a plusieurs. On a par exemple un green smoothie qui est super bon. Un mango tout tango. Un palais ducal. Un reine de goji. Un rêve d'été à base de pastèque. Mais alors celui-là, qu'est-ce qu'il est bon. Il est divin. Un Halloween smoothie que je n'ai pas... J'ai pas testé d'ailleurs celui-là. À base de petits ronds. Je ne sais pas, dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé des smoothies à base de petits ronds. Je serais assez
assez curieuse de connaître votre avis sur le sujet. Un roi Louis avec du cacao, des smoothies méditerranéens, du cala gogo, du lait doré. J'adore ce livre, la typographie est super, la mise en scène est à tomber. J'adore ce livre, il est vraiment super bien. Et c'est des smoothies qui sont vraiment vraiment bons, entre guillemets, c'est pas des goûts bizarres, voilà. Il y a certains ingrédients par contre qui sont un petit peu compliqués à trouver. On ne trouve pas forcément tous les ingrédients à Carrefour et compagnie. Mais je l'adore, franchement. Il est super. Et à la fin, vous avez un index des ingrédients où vous pouvez du coup retrouver tous les... Vous pouvez retrouver tous les ingrédients, enfin si vous décidez de faire par exemple un smoothie avec du céleri, boum, vous cherchez céleri, vous tombez dessus banane. Il y en a plusieurs bananes, vous allez chercher après celui qui vous intéresse. Voilà, je pense que je vous ai tout dit sur mes livres, mes petits livres chéris, je les adore. J'ai essayé d'être assez concise parce que j'allais pas encore faire une vidéo de 30 minutes, hein. Après le montage je galère. Voilà, donc j'espère que ça vous a fait plaisir. Les autres livres, j'en ai pas spécialement parlé parce que c'est des petits livres que j'utilise pas tout le temps. Il y a une collection par contre, je vous dis, ça peut être intéressant, c'est les autres... ils sont pas tous vegan mais on peut les adapter. C'est une petite collection que j'avais trouvée à Lidl, vraiment pas cher. Il n'y a pas le prix mais de mémoire, je crois que c'était moins de 6€ le livre, donc ça va, hein. Donc il y avait cuisine vegan, alors celui-là il est franchement bien, il n'y a pas besoin d'adapter, sauf que moi je ne mets pas de gluten dedans, je me débrouille. Gratin et soufflé végétarien, recette éclair végétarienne, alors il y a pas mal de bonnes recettes là-dedans. Et cuisine végétarienne, donc voilà, donc ça peut être des petits livres aussi pour débuter. Si vous avez un petit budget, il faut vérifier, il faut guetter les promos et quand est-ce qu'ils sont en vente à Lidl. Parce qu'ils y sont pas toujours, mais quand ils y sont, en général, il faut se dépêcher parce que ça part très vite. Voilà, donc j'ai fini ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous aimez bien les vidéos que je fais, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. J'adore recevoir aussi vos petits commentaires d'encouragement. N'hésitez pas aussi à activer la cloche pour avoir toutes les vidéos. Je vous dis bonne journée, à très bientôt et merci de m'avoir écouté. Bye !